j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. On est aujourd'hui lundi matin. Donc, je vous fais cette petite vidéo avant d'aller travailler. Donc, je voulais vous montrer mon diamond painting de la Fée Clochette, partenariat de la boutique Myth of Asia, pour vous montrer que, eh bien, je l'ai fini. Enfin, je l'ai fini. Voilà, il me reste ce petit bout. Et je la trouve vraiment trop belle. Trop, 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 trop belle. Je suis trop contente. Je n'avais pas fait pendant un petit moment parce que, ben, comme vous le savez, j'ai eu mal au dos. Donc, je n'avais pas travaillé dessus pendant voilà, un bon bout de temps. Et là, hier soir, ben, je me suis dit, allez, il ne me reste plus beaucoup à faire. Il faut que j'avance. Donc, hier soir, eh bien, j'ai bien avancé et ce matin, il me reste. Excusez-moi, je commence à attraper la crève. Il me reste quasiment plus rien à faire. Donc, c'est pour ça que je suis venue vous le montrer avant de le finir. Donc, je suis très contente. Une fois terminé, il est très beau, même si j'ai eu des doutes au départ par rapport à. Voilà, toutes ces plis, etc. J'ai eu pas mal de couleurs manquantes. Bon, bref. En tout cas, fini. Il est magnifique. Donc, j'ai hâte de. Ah, j'ai oublié un point ici. J'ai hâte de pouvoir l'encadrer et de l'accrocher dans ma chambre. Parce qu'il est très beau. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, faire un petit peu de blabla avec vous, savoir comment vous allez. Vous allez voir cette vidéo le 14 janvier. Donc bah, d'ici là, il sera totalement fini. Donc je vous mettrai la petite photo. Et voilà. Donc si vous avez des questions sur ce diamond painting, sur ce partenariat, sur la boutique, vous pouvez. M'envoyer un mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous avez aussi tous les liens en barre de description, le lien de la boutique, le lien pour retrouver ce diamant painting. Et je ne sais plus si j'avais un code de réduction. Bah, s'il y en a un, je vous le mettrai. Je vous le mettrai avec. Comme ça. Vous pourrez aller passer une petite commande si le cœur vous en dit ou même les contacter pour un partenariat si vous le souhaitez. Donc voilà. Aujourd'hui, on reprend une semaine de travail. Ça va être compliqué. Enfin, les 3 premiers jours, ça va. Et jeudi et vendredi, ça devient compliqué. Les douleurs. Viennent, c'est un peu la galère, mais bon, on n'a pas le choix. Il faut, ça m'énerve que je commence ça. Il faut travailler donc, bah, pas trop le choix pour l'instant de continuer, même si j'aimerais, voilà, changer de boulot, mais c'est pas pour de suite. En plus, je crois que je commence à attraper la crève. Je tousse ce matin. Petit coup de froid. Il fait tellement froid ici, les températures. On est dans les moins 8, moins 9. C'est vraiment d'un coup comme ça. Ça fait mal. Hein? Plus, moi, je suis à pied. Donc, je vais travailler à pied. Je rentre du travail à pied. Dans le froid. C'est très, très dur. Mais bon. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Alors ensuite, quand j'aurai fini ce diamond painting, je vais mettre la colle, comme elle m'a dit Kitty. Kitty, j'ai perdu le nom de sa chaîne. Kitty, je ne sais plus. Bon, je ferai comme elle m'a dit là, mettre de la colle par-dessus, de la colle. Cléopâtre, enfin, moi j'ai pas acheté la Cléopâtre, j'ai acheté la marque Cultura, je crois. Voilà, je mettrai ça et après
Enfin, je vais couper mes bords, je vais la nettoyer, tout comme j'ai vu dans la vidéo. Je sais plus si c'est Kitty ou... Je sais plus, bref. Et comme ça, je pourrais l'encadrer. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à trouver un cadre grand comme ça ou si je la mettrai directement au mur sans cadre, parce que ça va être... ouais, il faut que je trouve un cadre comme ça, de ce format, que je regarde sur Internet. Mais en tout cas, je suis contente. Je suis vraiment contente. Ça faisait longtemps que je voulais un diamant painting de la fée Clochette. Là, je l'ai eu. Je suis plus que ravie. Donc, je ne sais pas si j'aurai de nouveaux partenariats avec Mythophasia. On verra bien, hein. Je vais leur envoyer la photo du diamond painting fini, le lien de la vidéo, et puis on verra s'ils me proposent. Je retenterai peut-être un pour voir si j'ai moins de. Si la toile est moins abîmée. Pour voir si vraiment j'étais tombée sur une mauvaise toile ou si. Voilà, on verra. On verra. On verra ce qu'ils me proposent en tout cas. Bon, je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure non plus, hein. Ça va aller vite. C'était, voilà, je voulais juste vraiment vous montrer où j'en étais et vous montrer que finalement, il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce petit stylet-là. Je trouve très bien. Il est très fin, il est en plus il est joli donc. Mais bon, je vais pas en faire la promo, il vient pas de la même boutique. Alors, je sais pas quel temps il fait par chez vous. Nous, moi, je suis dans le Tarn-et-Garonne et vraiment, il fait hyper froid. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois un temps aussi froid ici. Mais bon, je peux me tromper. Il gèle du matin au soir. C'est terrible. Et voilà, on va se laisser voilà sur ce, on va se laisser, je vais vous laisser. Voilà ce qui me reste à faire, je vais finir hors caméra et je viendrai vous montrer une fois terminé complètement. Voilà. Donc je vous dis pas au revoir, je vous dis à tout de suite. Et voilà, il est terminé. Il me reste plus que un petit diamant à mettre que j'avais oublié. Hop, ici, par ici, par ici. Le voilà. Et le diamant painting est fini. Alors, vous voyez, j'ai mis toutes mes petites perles. Hop, je l'ai perdue. Elle est là. Toutes mes petites perles dans des petits sachets comme ça que j'avais acheté. Ah, attendez. Hop, comme ceci, zippé, que j'avais acheté chez AliExpress. J'ai mis une petite étiquette dessus. Et franchement, ça change des sachets tout pourris comme ceci. Donc, je suis très contente. Je vais me débarrasser un petit peu. Et je vais vous le montrer. Il est fini. Je suis trop contente. Voilà. Il est très beau, hein. Il ne me restera plus qu'à couper les bords parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. À mettre un peu de colle par-dessus pour bien le protéger. Et je pourrai l'accrocher dans ma chambre. Je suis très, très contente. Je suis ravie. Je vais envoyer une photo à Mythophasia pour leur montrer qu'il est terminé. Et voilà. On se retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye.